se retrouve pour une nouvelle vidéo à 200 km/h, ou pas, parce que pour l'instant on est à zéro, mais on va essayer d'y aller aux 200 km/h. Donc on va aller faire une petite course tout de suite, parce que le but c'est ça. Donc voilà, j'ai passé le temps où je suis allé à la mission, alors que j'ai pas mis beaucoup de temps. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, on va se faire cette petite course. Donc on va faire normalement aujourd'hui un sprint, un circuit et un sprintique. Ça devrait être plutôt pas mal, sympathique et tout. Donc on va se faire ça assez rapidement. Comme vous voyez, moi j'ai une voiture presque toute basique, un peu améliorée au niveau performance, mais c'est tout. Donc il y a 12 images secondes à 12 FPS. Donc voilà, je voudrais pas non plus décevoir certaines personnes, on va dire, parce que c'est vrai que voilà, le jeu, je l'aime bien, c'est un bon jeu, un très bon jeu. Need for Speed Underground 2 est un très bon jeu, c'est même l'un des jeux que je préfère, on va dire. C'est mon préféré en fait, que j'ai eu et que j'ai encore en fait. Mais en gros, c'est mon jeu préféré, c'est vrai, c'est pas quelque chose de compliqué non plus, c'est vraiment quelque chose de tout simple. En gros, je vais vous faire que des vidéos assez courtes quand même sur Need for Speed Underground 2. Je peux vous en faire pas mal comme ça, même si elles sont pas forcément bien elles sont bien, mais ce que je veux dire, c'est elles sont pas forcément bien pleines, justement parce que je vous en mets beaucoup plus, on va pas dire beaucoup plus, mais on va dire que je vous en mets plus quand même. Donc ce qui fait que ça peut être plus intéressant. Donc là je suis bien, je tourne à 20 images secondes à peu près, un petit peu en dessous, on est pas mal du tout. Là on tourne bien. Mais comme vous avez vu au début de la course, ça ramait plutôt pas mal. J'espère franchement que ça restera comme c'est là, parce que ça tourne plus ou moins bien, on va dire entre 14 et 20 images secondes. Donc c'est plutôt pas mal. Après ça dépend du nombre de voitures qu'il y a autour de nous, mais à cette vitesse là, on va dire, d'image, je peux encore arriver à esquiver les voitures et tout. Donc ça reste globalement le mieux. Après tant qu'à faire, autant rester dans le top 1000. Mais bon, après on verra, mais je pense pas que je le ferai. Enfin, franchement, je vous dis clairement, j'en sais rien encore. Pour l'instant, voilà, on verra, peut-être que je le ferai avec mon collègue au simulateur plus souvent. On verra. Parce que c'est vrai que je m'en étais bien tiré la dernière fois, la semaine dernière, pour vous. Mais pour moi, c'était hier. Parce qu'en gros, c'est vrai que c'est les vacances et j'ai pas vraiment envie. En gros, ça me... vu qu'il y a beaucoup de monde, on va dire, dans mon entourage qui est en vacances en même temps que moi. Quand je dis entourage, des gens qui habitent au même endroit que moi, dans le même appartement, j'aime pas trop tourner en même temps en fait. Il y a du monde à la maison, à part qu'il y a un simulateur. Et donc, c'est pour ça que je tourne, on va dire, à la chaîne. Donc vous avez des vidéos qui sont pour moi très rapprochées, mais pour vous qui sont très plus ou moins lointaines, on va dire, parce que quand même tourner une vidéo, il faut des moments ça lag, j'espère que ce sera le seul lag. Donc comme vous voyez, mon ordi, en gros, il y a des moments où il lag comme ça, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi du comment. Donc voilà, donc comme vous avez peut-être, si vous m'avez certainement vu peut-être à la vidéo précédente, donc la semaine dernière, j'ai amélioré tout ce que je pouvais améliorer dans la voiture, sur la voiture. Donc ça veut dire le poids et tout, etc. Tout ce qu'on avait, je l'ai amélioré, voilà. Donc c'était tout simple, il n'y avait pas grand chose à faire non plus. $300 d'argent, parce que on sait pas vraiment ce que c'est, mais je pense que vu que c'est tiré des États-Unis, je pense que ça doit être des dollars. Coupe de turbo, ouais, et j'ai des nouveaux rétro, mais pour l'instant, vu que j'ai pas encore attention, voilà les gars. Attends, le street, j'ai 10 circuits qu'il y avait là, voilà.
de Turbo Magazine. Donc là, on va voir un magazine à faire, bien sûr, parce que on est trop bon pour marcher quelque chose. Mais bon, ouais, on va avoir une couverture à faire. Pas parce qu'on est trop bon, juste parce que non, ça va, ça tombe plutôt bien, on va dire. Ça reste un peu mou, mais bon, ça passe. Ça reste clean. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît. Que l'aspect montage que j'ai fait pour les parties. Ouais, c'est vrai que j'ai envie de passer de l'autre côté. Il a raison. Mais bon, je préférais passer par là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît plus ou moins bien. C'est plus ou moins intéressant pour vous. Autant que pour moi, on va dire. Parce que c'est pour oublier de l'argent. Donc voilà. Déjà, ça fait 6 minutes. Même. Donc ça reste toujours pour moi une série que j'aime bien faire. Donc on va. En gros, j'ai vraiment envie d'aller vite. Et de pouvoir vraiment mettre un coup de patate dedans et être tranquille. Donc voilà. Pas trop mal. Donc tout ce qui est CCU et comment dire tout ça là, tout ce genre de jeu là, de course là, CCU, les courses de magazine et tout, je les ferai quand j'aurai fini tous les circuits, tous les drifts, tous les street X, tous les drags. Et je pense qu'on n'aura plus grand chose. Donc les CCU et les courses de magazine, je les ferai à la fin, au dernier truc. Je les ferai je pense peut-être en une ou deux vidéos, je verrai. Donc avant de passer au nouveau sponsor qui aura l'épisode d'après, je vais le faire quand même un peu dans l'ordre, même si ça ne me dérange pas de faire les CCU maintenant, parce que je pense que ma voiture a assez de patates pour pouvoir le faire, parce que quand même j'ai une bonne voiture qui a une assez bonne elle est plutôt bien, quoi, on va dire, voilà, c'est plus simple. Elle est très bien, elle se manie très bien, elle est très légère et elle va plutôt vite, je veux dire. Parce que j'ai déjà réussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont réussi, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours joué en mode simple, un peu comme là, mais bon, là c'est un peu différent parce que déjà je suis en train de filmer et en plus, comment dire, je suis en train de filmer et je suis je sais pas comment vous dire ça, et voilà, je dois commenter et tout, donc ce qui fait que ça joue un peu plus sur la conduite, même si ça, je trouve pas que ça joue tant que ça, parce que comme vous voyez j'ai quand même 7 secondes d'avance, donc c'est vrai que le niveau moyen serait peut-être plus approprié, mais au moins comme ça je peux vous procurer un gameplay de plus ou moins bonne qualité, je peux finir plus ou moins facilement, on va dire, et pouvoir vraiment faire des vidéos bien, même si on peut me prendre pour un noob. Bah ouais, je dis pas que je suis trop bon, je dis pas que je suis mauvais non plus, parce que comme vous voyez j'ai quand même un bon pilotage, là, il est pas trop mauvais, on va dire que j'ai dû prendre un mur dans toute la course, et encore quand je dis un, j'en suis même pas sûr, donc voilà, après moi je fais des courses vraiment pour me faire plaisir, parce que franchement hier en gros, quand je vous ai fait des vidéos de la semaine dernière, j'avais vraiment envie de continuer, en fait, de vous faire encore une dizaine de vidéos, parce qu'en gros c'est vrai que ce jeu, quand on s'y met, c'est comme la drogue, quand on met son nez dedans on s'arrête pas, voilà, on peut pas s'arrêter, ce jeu c'est une drogue, quand tu commences tu peux plus t'arrêter, et c'est vrai que c'est très addictif, en fait. Même si t'es pas forcément très bon, t'as pas envie de t'arrêter. Donc voilà,
Donc là, c'est vrai qu'on a pas mal d'améliorations déjà. On a les pneus, on a tout le bazar qui va bien. Donc c'est vrai que c'est déjà. On a toutes les meilleures améliorations possibles pour le moment, en tout cas. Donc voilà. On va se faire encore la petite critique. Non, je devrais y arriver, il n'y a pas trop de soucis, on est en plus en facile, donc ça devrait être plus ou moins facile. Voilà. Donc non, c'est vers la course de CCU, si je ne me trompe pas. On va prendre l'autre. L'autre, on la fera au... Non, pas celle-là. Celle-là. On la fera au prochain épisode. Donc voilà, moi je ne me fais pas... Dis clairement, le but c'est vraiment de me faire plaisir et d'essayer de vous faire plaisir aussi, parce que c'est vrai qu'avec des moyens assez limités, on fait ce qu'on peut. J'ai vraiment des moyens limités. Donc, je limite un peu les dépenses, on va dire. Et autant prendre des vieux jeux que des nouveaux jeux, parce que les vieux jeux souvent marchent peut-être mieux que les nouveaux. Et voilà. Après, c'est vraiment. Je vous dis clairement, c'est pas fait pour. Voilà, en gros, c'est vraiment fait pour que tout le monde s'amuse. Ou presque. Enfin, bon. Je pense que ça doit pas être aussi amusant que de. Donc là, on va faire une autre petite cause de StreetX, toute simple, toute bête. Et je pense qu'après, on va se quitter. Je veux pas faire des trop grosses vidéos, juste des vidéos sympathiques. Voilà, je suis tranquille. Donc voilà. Je pense que peut-être à la fin du week-end, il y aura peut-être le début des courses CCU. Je sais pas trop, d'ailleurs, je préfère comme ça. Parce que moi, je préfère comme ça, en fait, les courses de StreetX. Parce que, en bref, je peux les prendre. Wow. Derrière, vous cassez. Putain, mais vous êtes des bandes de malades. Cassez-vous. Casse-toi, quoi. Putain, vous faites chier, déjà. Heureusement que j'ai une bonne voiture, parce que sinon, je pense que je suis mort. Mais je pense que c'est pas. Voilà, en gros, il y a l'autre derrière qui m'a poussé, ce connard, là. Donc on va essayer de les rattraper. Je pense que ça devrait être faisable parce qu'on a des pneus flambant neufs et tout. Donc je pense qu'on devrait être dans la possibilité de les rattraper et de doubler les deux, la 206 y compris. Donc voilà, on va vraiment. Donc voilà, franchement, c'était pas vraiment compliqué pour là. Là, en gros, on tourne un peu ralenti, on tourne à 10-11 images secondes. J'espère que ça va bien là, on tourne à 10 secondes. Donc voilà, moi je la préfère comme ça, les courses StreetX. Allez, on va rattraper le dernier. Mais c'est bizarre parce que c'était le premier, lui. Ah non! Dégris. Donc on l'a pas rattrapé, mais on l'a gagné quand même. Donc on l'a pas doublé, on va dire. Donc voilà, on a encore gagné. C'était pas une victoire trop simple non plus, mais donc on va pour cette vidéo se quitter sur la route, on va dire. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Tiens, au prochain épisode, on fera du drift, du StreetX et une autre course, je ne sais pas quoi encore. Donc voilà, on va finir les drifts et faire l'autre StreetX qui est à côté. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, donc demain. Et donc à plus tard. Ciao !